n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. 'Fou, puis après, en Albanie. Raconte le programme là. Décolle à 8h30. Ouais. Ensuite, on arrive à Corfou, on passe une nuit là-bas et après, le lendemain, on prend le ferry vers 11h. Très bien. Sur 11h45. Très bien. Salut mes petits choux. Vous vous aurez compris, on est en vacances avec Maëlys, les deux gros lardons, Maëlys et Charlotte. Elle a cassé sa valise. Oh non. Du coup là, pour vous expliquer, on est à Corfou parce que l'Albanie, pour aller en avion, c'est une galère. Du coup, on passe la journée et la nuit à Corfou. Et demain matin, on part à Sarandë en Albanie, en ferry. Du coup là, on vient d'arriver, il fait très chaud. La vache. Et voilà, là on va à l'hôtel, on va poser les valises, on va se changer et après je ne sais pas ce qu'on fait. Vous viendrez avec nous. Je hurle. Ok, on a posé nos valises à l'hôtel. Il fait très chaud. Mais c'est super joli, là on... vous allez même pas m'entendre, je pense que moi il y a des cigales. Ça. Il est beau pour vous ? On va se régaler. Oh, on mange une salade grecque en Grèce. Si c'est pas beau ça. Miam miam miam. Le fait qu'on voit rien du tout, genre ouais, vraiment la luminosité, il fait archi sombre parce qu'il fait très moche, très très moche. Regardez, il y a le sosie de mon fils. Mimi. Oh, on dirait tellement mon chat, mais en grand genre. Mon chat s'il était gros et musclé. Il fait très moche, comme vous pouvez le constater. Il a l'air d'avoir des orages de zinzin, mais il fait très chaud, donc on va chercher une plage pour se baigner. Bon, on voulait aller à une plage, mais ça pensait qu'elle avait trouvé une plage. Regardez, c'est quoi la plage, s'il vous plaît. Du coup, on va à un autre endroit. Enfin, c'est joli, hein, mais bon. Genre là, il fait pas beau. On voulait juste faire trempette et rentrer, mais là, c'est un peu galère pour se baigner. La grosse défaite, il pleut. On a trouvé un endroit pour se baigner, mais en fait, il n'y a pas trop de plage où on est, du coup, puisqu'on est à Corfou. Il n'y a pas trop de plage, donc on a trouvé un petit endroit pour se baigner. On a fait trempette avec Maeve. Maëlys, elle n'a pas voulu venir avec nous. Bouh. Donc, on a fait trempette et il s'est mis à pleuvoir, donc on rentre à l'hôtel. C'est sympa les vacances! Et j'ai plus de batterie sur ma caméra,
Du coup, je filme avec mon téléphone qui a une super lumière, mais c'est parce qu'il y avait un spot. On a. Oula. Mais j'ai pas filmé avec ce téléphone. On a bien bu. Bien pas mangé encore. Bien pas mangé, mais on va manger. On va se régaler. On a trouvé, je pense, l'italien le moins cher du monde. Salut les copains. Aujourd'hui on va en Albanie. Donc en direction du port de Corfou. Afin de rejoindre le port de Sarandi. Lys et moi avons été déterminés à aller courir ce matin. C'est fort agréable. Et elles ont rien fait. La pique-me. Oui. Moi je cours. Moi je cours. Elle aussi elle court et elle font rien. Bon, allons voir le ferry en espérant que personne n'ait le mal de mer. Suivez mon regard. Mais c'est les gros bateaux, ça va. Mais moi j'ai pas le mal de mer, moi. Ah, bon voilà. Ah. C'est un gros bateau. Attends, les voitures, je veux bien, le mal de mer, pas du tout. Voilà. Après, peut-être, ce sera mon jour. Peut-être. Oula. Et... On est en contre-jour. Ouais, c'est tout. Voilà, c'est mieux. Où est-ce qu'on est, les filles? Dites-nous. Dans le ferry. Direction l'Albanie. La direction. Je pense que je vais être malade. Ouais. Ah, tu vois? J'ai senti mes premières. C'est en fait la dernière fois que j'ai pris un. Mais ça m'est encore pire, le petit bateau. Mais non, les petits bateaux, ça me fait rien, frère. Ah, le petit bateau, ça me fait le ferry est très chic. Non, mais là, c'est... en fait, c'est pas le principe de bouger. Ah, c'est le. C'est le... juste la sensation, genre. Ouais. Je vais mourir. Ouais, la honte. T'as des zombies, hein? Non, ça va, mais j'ai senti un truc bizarre. Oui, mais après, tout le temps. Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais on se retrouve pour un le déjeuner. Mother and daughter. Allez, on recommence. Là, c'est les lunettes. Allez, les lunettes. Tu connais Prada. Ok. Attention. Le haut Zara, le short. Non, le haut Asus, pardon, le short Zara. Et les. Zizi Slide. Merci, ma chérie. À toi, maman. Moi, c'est un bracelet de sport que ma mère m'a donné. Petit short chic. C'est les deux. Ok, les chaussures. Petite Nike. Et les bijoux, Petit bracelet de Charlotte. Petit bracelet de festival. J'ai oublié de montrer un truc. T'as plein de bactéries. Les basté. Ok, Blandine. Alors, les lunettes, je sais pas, c'est à mon mec. Je n'en ai aucune idée. Le haut et le bas des quatre. Les claquettes Biscarros. La petite boutique du coin. Les ongles paillistées. Les bijoux. C'est ma maman. Et ça, c'est je sais plus quoi. Et le bracelet, c'est ma grand-mère. Ok. Alors, pour ma part, je porte un petit haut de chez Shein avec un petit short de Uniqlo. Des Birk in stock. De. Là, allo chaussures. Ou chaussée. Un petit sac qui vient tout droit des vacances de mes parents. Trop mignon. Ongle pas baïsté. Et petit bijou chute de mon chéri. Trop mignon. Ok, donc nous sommes arrivés au port de Sarandé et en fait on loge à 2 km du port. Et en fait les taxis ici ils aiment trop nous prendre pour des pigeons. Donc ils nous disent 25 euros pour aller à 2 km littéralement, hein. C'est vraiment très à côté. Et donc nous, tels des gros rats et des femmes finalement indépendantes, nous ne dépendons que de nous, on a décidé d'y aller à pied. Donc nous voilà embarqués dans un périple de 2 km en bord de plage. Bon, nos valises font 15 kg déjà, on a plutôt de la chance. Mais c'est que Maeve a sa valise cassée. Donc moi je suis plutôt bien parce que ma valise elle roule bien. Celle de Blandine elle roule bien. Maeve il lui manque une roue, donc c'est pas le plus simple. Mais je trouve que pour l'instant on se débrouille assez bien. Tout à l'heure Blandine a dit qu'il restait 19 minutes de marche. Je la suspecte d'avoir un peu menti. Parce qu'on veut éviter que Maeve et Maëlys soient trop... Sois trop déçu par la distance. Étant donné que nous ça va, moi ça va, moi j'aime bien là. Je passe un bon moment. Je pense que j'ai rien à dire, juste ma tête vous montre à quel point le périple était long. Ouais. La rougeur de la personne.
Je transpire. Mais juste, on va prendre un moment pour ça. Nos parties. Nos parties. J'ai envie de pleurer de joie. La vue, elle est dingue. L'appartement, il est trop stylé. Il est hyper grand. Oui, j'ai vu. C'est le room tour. Le room tour. Ça, c'est ma chambre avec Charlotte. Trop mignon. On est les enfants du couple. C'est immense. Et ça, c'est la chambre des filles. Le couple présidentiel. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais. On a récupéré le Airbnb, on s'est changé. Et nous voilà. Tout va mieux. Tout va mieux, nous voilà pour Manja. Ouais. La bière à 1,50€, hein, c'est devant personne. Les prix sont aberrants dans le restaurant où on est. Alors que là, t'as vraiment pas le haut pour mettre en valeur. Attends, je vais avec toi. Le plan est si drôle, frère. J'ai une coupe de fou là. Aïe. Je suis piquée avec la paille. Cheers. Cheers. J'ai commandé une pizza margarita et je passe la caméra à celle qui a commandé des pâtes. Alors donc moi c'est Charlotte et j'ai commandé des pâtes aux fruits de mer et je passe la caméra à celle qui a commandé un risotto. Moi c'est Maïs, j'ai pris un risotto. Je travaille dans le bâtiment, je fais des j'ai pris un risotto de légumes et je passe la caméra à la personne qui a pris du calabar. Et moi c'est Maeve, ou la chant contre-jour, et j'ai pris du calamar. Maëlys, que pensez-vous de votre plat? Bah franchement pour 6€ c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très bon. C'est vraiment. Quelle note sur 10? 7 sur 10, parce qu'il y a rien d'exceptionnel mais c'est sympa. Ok, c'est très délicieuse. Charlotte qu'on ne voit pas. Surtout, ouais, Maeve, comme ça, t'auras moins. Que pensez-vous de votre plat? Très délicieux. C'est très délicieuse. Pas trop salé, c'est pas... Quelle note sur 10? Tiens, merci. Franchement 8,5, hein, avec du citron. Ça a l'air bien bon, avec les crevettes, avec les shrimps. Alors Maeve, très très bon. Je dirais 8 sur 10. 8 sur 10, pourquoi pas 9? Parce que quantité est faible. Oui mais là on ne parle pas de quantité, on parle juste mais, du... Mais je sais pas, pourquoi pas 9, je sais pas. J'ai aimé. Charlotte, ton expérience magasin pour avoir testé tous les Lidl d'Europe? C'est une calamité. C'est l'anarchie. Bon, nous sommes revenus des courses. Je peux donner un avis constructif réel au supermarché d'Albanie, c'est un cauchemar. C'est n'importe quoi. Déjà, c'est hyper mal fichu. Les rayons sont hyper mal foutus. En sucré, ça va. Il y a trop de monde. Dans les trucs sucrés, ça va. Mais la viande. Le salé, la viande, le fromage, les yaourts, c'est abominable et c'est cher. C'est très cher. 90 centimes le Activia, j'avais pas compris, je pensais que c'était les 4. Je dis à personne. On a poussé un coup de gueule sur la viande. Ouais. Sur le supermarché. On a 7€ de Activia. Par contre, on peut vous montrer quelque chose qui est très beau. Ah, mais vous savez que je vais péter un câble, c'est tellement beau. On passe du coca là. Le temps que j'ai dit. Tu peux faire pas zéro, mais tu peux continuer. Donc, je continue mon expérience avec un tout autre plan. Donc, la viande, c'est très particulier. C'est vraiment très particulier. Ils congèlent des poulets entiers dans des grands bacs de congèle. Et ça fait flipper. Il reste presque même les plumes, les poulets. Et la viande, le jambon et tout, c'est particulier encore une fois. C'est ça donne pas envie. Donc, on avait prévu de se faire des sandwichs pour demain midi pour notre journée bateau. Mais on partira sur une salade. Sur une salade sans viande. C'est vraiment mieux pour nous. Et puis voilà, hein, 70€ de course, ça va nous faire 2 jours à tout casser. On a fait des courses de Google. Je suis en interview là, je suis en Italie. Non, le fait que t'es cadré vraiment sur le côté, genre. C'est là que tu m'as cadré. Voilà. Donc on vous montrera nos petits plats. Et puis en tout cas, si vous avez un peu d'argent, mangez au resto, parce qu'il y a des restos moins chers et vous embêtez pas à faire les courses. Voilà. Je vous ai mis dans un cadre douteux. Mais en fait, à la date, je vous ai pas parlé, parce qu'en fait, je me fais racketter ma caméra. Littéralement par Maeve et Charlotte, mais bon ben elles font vivre ces vlogs donc c'est cool. Du coup pour une fois que je suis au calme pour parler, hier on était à Corfou, ça vous avez compris, en Grèce, ça y allait,
c'était très joli. Du coup on est arrivé en Albanie, on a vu l'appartement qui est trop beau, ça vous avez vu. Cet après on était à la plage, mais en fait faut vraiment faire des beach clubs. Mais je crois Charlotte elle vous a déjà dit en fait. Bah en gros on est allé à la plage et on a voulu aller à la plage comme les gens normaux, comme la plage normale, genre la plage publique quoi. Et en fait bah ça vaut pas trop le coup parce que les plages elles sont très sales. Du coup le reste du temps quand on ira à la plage on ira dans des beach clubs. Et demain on fait du bâton, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. En plus l'eau elle est bien claire ici, elle est bien belle. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose. Mais c'est très mignon en tout cas. Moi ça rendait, je suis très contente. C'est très mignon. Là on va se préparer, je pense qu'on va manger dehors. Enfin je pense, je suis sûre même. On va peut-être sortir un petit peu mais pas trop tard parce que du coup demain on a rendez-vous tôt pour le bateau. Elle parle pas parce qu'elle va casser parce qu'hier on est sorti. Voilà. J'ai tout oublié avant. Du coup, je peux parler maintenant. Non, non. Je préserve ma voix. Ah, voilà, vous avez un extrait. Yeah, yeah, oh. Il est tôt, 7h50 du matin. Et on se balade tranquillement. C'est la baladance. C'est la baladance parce que. Besoin de balader. Besoin de se balader. Alors, on s'est réveillé ce matin. Quelle heure? 6h50. Parce qu'il y a quelqu'un qui klaxonnait sans arrêt, sans s'arrêter en bas de chez nous. Du coup, on s'est fait réveiller comme ça. Et du coup, quand on est réveillé de bonne heure, on va marcher. Du coup, on continue à marcher. On se trimballe doucement, tranquillement. Et on va chercher du jus et du café pour se requinquer. Sachant qu'aujourd'hui, on a journée bateau. Qu'on Donc, doit y heures, être on est sur un bateau. À 9h40 et qu'on est sorti hier. Voilà, je vous laisse imaginer le mélange. Chien. Mais allez, je suis avec son fils, frère. Ah, il est 7h48. Il est 7h48 et il était avec son gamin. Putain, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que c'est bon, café, de toute façon? C'est bon. Putain, ton jus, il régale le matin, là. Ouais. C'est peut-être pas ce qu'il me fallait, tu vois. Il est archi bon, putain, mais vraiment, c'est une dinguerie. On va rentrer doucement à l'appartement. Ça va. Ding. On attend pour le bateau. On va faire du bateau. Ça va être trop bien. Il fait super beau. Il va faire bien chaud. Explique, c'est un bateau. Il y a des gens, ce qu'on va faire. Bah attends, on est même pas dedans. Putain. Mais fais-toi une chaîne YouTube en fait. Je te jure. Laisse-moi mon travail. Du coup, on va sur un petit bateau. Je pense qu'on est 10 personnes, je crois. Et on va sur un petit bateau pendant 6 heures. On fait tout un tour dans des endroits trop beaux avec de l'eau toute bleue. Je rêve de voir les tortues. Et on espère voir des tortues. Parce que Maëlys a ramené son masque et son tuba. Alors, attention. J'ai vu des dauphins aussi sur certaines affiches. Bélec. Oh, c'est vraiment l'attrape-touriste. Ouais, je pense que c'est pour attraper les touristes. Hein. Ça, faut aller là-bas. Je vous retrouve sur le bateau.
définitivement plus parlé. Elle n'a définitivement plus de voix, la dame. Mais on revient du bateau. C'était trop bien. Alors moi, j'ai kiffé. On était avec le chauffeur des mers parce que vraiment, il conduisait comme un zinzin d'espace, mais c'était trop bien. Et voilà, on a kiffé, ça a duré grave longtemps. On a fait 5 heures, un peu plus de 5 heures. Genre, on est parti à 10h, on est rentré un peu après 15h. Et on a vu des trop belles plages. On s'est posé grave longtemps sur une plage trop belle avec de l'eau bien transparente. On s'est baigné dans la mer. On a vu une grosse méduse. Mais c'est trop bien. On est chill. Et du coup, elle va vous expliquer la même chose en langage des signes. Voilà. C'est pareil. Et là, on est dans un beach club. Très sympa, on adore et on va manger car on a faim et on va boire aussi car on a soif. Relis Copeng. Tout à l'heure on est rentré, on s'est douché, on est crémé, tout. J'ai pris des petits coups de soleil quand même, mais c'est pas grave. Ce soir au programme, on mange au resto et voilà. Après, je sais pas. On va dire les nouvelles. Alors, depuis ce matin, je ne vous ai pas parlé. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ce matin, on s'est réveillé. Enfin, on a bien dormi, on a dormi à 21h hier. Ce matin, on s'est réveillé vers 7h38. Et en fait, on est direct allé en beach club. Un beach club qui est super joli. Et là, on est séparés en deux. Parce que moi et Maeve, on mange au beach club parce qu'on voulait. Il y avait des choses à la carte du beach club. Et les deux autres, elles sont parties manger ailleurs parce qu'elles voulaient manger autre chose. Du coup, voilà. Là, on va manger toutes les deux. Et après, les filles, elles reviennent. On se remet au beach club et on reste jusqu'à ce qu'on en ait marre, je pense. C'est très beau. Les bonnes couleurs, putain. Et la mer elle est trop bien. En plus, on voit des poissons, mais de toute façon, on a pris des plantes que je mettrai. On a vu des poissons. Ben. Hey, hier, j'étais trop discrète, tout va mieux. Du coup les vlogs recommencent. Du coup, les vlogs recommencent. Journée à la plage. On a passé la journée au beach club. De 10h à 17h30 au beach club. On a renta les bêtes. On a renta les bêtes. Tu vas sortir de la zone de confort. C'était 10 euros bêtes. On se retrouve plus tard pendant le repas. Salut les gars, je suis mort. J'ai cru qu'elle n'allait pas parler, j'allais dire elle a de nouveau la voix cassée. Le vlog en lumière ici. On est samedi, il est 9h42. On vient de se réveiller toutes les deux, c'est tout. On est sorti hier soir, c'était bien, on restait trop bien. Dans la boîte de nuit, il y avait un showcase albanais et les gens ils dansaient tous. Mais genre les danses albanaises, c'était trop bien. Ils nous embarquaient avec eux et tout, c'était trop beau. Du coup, voilà, on a bien profité, on a bien kiffé. En rentrant, on a vu un accident de la route. En même temps, vu comment ils conduisent comme des chauffards ici, tu m'étonnes. Et voilà, on est rentré vers quoi, 2h et des poussières. On est rentré vers 2h et des poussières. Et voilà, là, on s'est réveillé tranquillement. Et aujourd'hui, je pense qu'on va se dorer la pilule. Sachant qu'il fait encore hyper beau et hyper chaud.
La journée est rude. J'ai dormi comme un bébé pendant une heure et demie. Ça m'a régalé. Je fais une big sieste parce que j'étais fatiguée. Et là, on est allé à la plage, mais elle m'a emmenée dans un endroit sordide. Vraiment, j'ai failli mourir d'ailleurs. Je sais pas si t'as remarqué, mais je me suis pété la gueule. Bah, je me suis pété la gueule. Du coup, là, je passais par dessous de ça là pour aller dans l'eau parce que là, c'est super dangereux, ça glisse de ouf et tout. Voilà, là, ça se couvre un peu parce que demain, normalement, il fait gris. Mais j'ai vu le matin, il fait beau normalement. Tout ça, on mange à l'appart et après, on sort dans un bar. Et voilà. Il est 9h. Hier soir, on est sorti. Oh, c'était trop bien. C'était trop bien. Fête de la bière albanaise. Fête de la bière albanaise. Du coup, on a goûté la bière albanaise qui ressemble à la bière française. C'est de la bière, quoi. On est dans un premier bar qui était super beau. Bar à cocktail. Ouais. Du coup, il était super bon. Ça s'appelle Ojda Lounge. Ojda Lounge. Ensuite, on est allé à la fête de la bière. Et il y avait deux artistes albanais, du coup, tout le monde dansait danse albanaise, tout, c'était trop bien. Et après, on est allé Escape Lounge. Dans un bar. Beach Club. La musique était trop bien. Et quand minuit est arrivé, ils ont enlevé la musique. Et là, on voit des gens avec des casques. Et en fait, ils font soirée où genre, les gens ils ont la musique dans les casques, il y avait une musique dehors. Vous aurez un plan juste après. Ouais, c'était trop drôle, juste avant. Mais c'était trop drôle, c'était trop bien, c'était imprévu. Et après on est rentré. Et moi je suis malade. T'as toujours un problème. J'ai la nez bouchée. Moi j'ai été que j'ai une nez trop sec à cause de la... J'ai la gorge sèche et j'ai trop mal au nez. Du coup voilà, aujourd'hui c'est censé faire moche, pour l'instant il fait beau. Et j'ai vu qu'il y a des météos, il fait super beau, et des météos il fait bof. On va aller au Beach Club, Crystal Island. En espérant qu'ils aient la place. Ouais, parce qu'on y va pas tout de suite. Hein. Là, on va prendre un petit déj parce qu'on vous parle, on a même pas. On sait même pas laver les dents quand même. Voilà. On aime pas mieux un café. C'est votre problème. C'est votre problème. Allez, let's go. Bon. Hier, lors de notre balade, on a trouvé des cailloux, des coquillages. Alors, je vous montre. Oh merde, je suis à contre-jour de fou. Je vous montre mes coquillages. Oui. Ouais. Je vais gagner peut-être 250 grammes. Ouais. Je pense que tu surestimes. Comment ça s'appelle déjà quand on montre les jeux? What is my bag? What is in my bag? What's in my bag? Dans mes bons solaires, frère. Lui, il est très magnifique. Et ça fait le plan encore sur moi. Tu vas faire. Ça, elle est presque vide. Et je vais la lever. Et vu que tu as utilisé tellement de solaires, frère. Ça, je vais la lever. Moi, celle-là, elle est... Bon, tout ça pour dire que j'ai plein de coquillages qui sont trop beaux. Qu'est-ce que tu penses de mes coquillages, Blandine? Ils sont très jolis et le plus joli... Attendez, elles me montrent son plus joli. C'est lui. Ouais. Et lui, parce qu'il est bleu. Oh, il est trop beau, frère, je suis choquée. En plus, il est fermé. Ça se trouve, il y a une vie dedans. C'est les plus jolis coquillages. Préparation. Tadadadé.
on perd nos soldats les uns après les autres. Je vous montre pas les talons de Kels et Charlotte. Je lui épargne la fiche sur YouTube. Moi je suis fille. Bon, bah les gars, la fin de semaine est rude pour certains d'entre nous, certaines. Hier, Maëlys, elle nous a abandonnés, elle était malade de zinzin. Et aujourd'hui, c'est Charlotte qui est au bout du rouleau, vraiment au bout du rouleau. Bon, là, Maëlys, ça va mieux, donc elle va venir avec nous. Mais là, du coup, c'est no night. Oula. En mode sky jour. Et c'est en mode jeu société. Parce que là, oui, on a perdu des soldats. J'ai juste apporté un truc à Charlotte entre temps. Ouais. Me revoilà, toute maigre. Toute maigrie. L'expression toute amaigrie, elle me fait. En face, moi. Du coup voilà, donc là ce soir c'est vraiment soirée mamie. Salut les gars, bon je suis désolée, la fin du vlog elle est un peu foutoir parce qu'on perd des soldats au fur et à mesure, ce que je vous disais hier, Charlotte elle était très très malade hier, ça va un peu mieux mais elle est toujours dans le mal, donc hier soir on n'a rien fait, on a fait une soirée mamie à la maison, jeu de société, on a dormi tôt mais c'était le boucan, je vous jure, il y avait tellement de bruit, ça tire des feux d'artifice, on avait l'impression qu'il les tirait depuis notre balcon, enfin c'était bon, bref. Du coup là on est notre dernier jour complet ici, on est lundi, là il est un peu plus de 10h30 et on est venu à la plage où on était l'autre jour pour faire simple parce que si Charlotte se sent pas bien, comme ça on peut rentrer, puis voilà, on avait la flemme d'aller très loin pour aller à la plage. Donc on s'est mis à la plage à côté de la maison. On a pris des petits transats. Et voilà. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, je me dors la pilule. Après aujourd'hui, normalement, il fait pas hyper beau. Il y a un peu de nuages et tout. Donc on verra. Ce soir, je sais pas trop ce qu'on fait. On fera les valises. Et après, peut-être qu'on sortira, peut-être pas. Je peux pas vous dire. Mais voilà. En tout cas, c'était trop bien ces vacances. J'ai envie de rentrer sans avoir envie de rentrer. C'est trop bizarre. Genre, je kiffe trop mes vacances, donc j'ai pas envie de rentrer. Mais en même temps, j'ai envie de rentrer parce que du coup, bah, je vais reprendre YouTube, je vais travailler à mon compte et tout, mais je crois. Du coup, voilà, je ne sais pas. Là, j'ai profité de cette dernière journée. Demain, toute la journée, on voyage. On arrive à 15h à Paris. Donc voilà. Je vous viendrai avec nous. Je vais essayer de vous vlogger un peu aujourd'hui parce qu'hier, c'était vraiment zéro le vlog. Zéro. Ça fait un moment que vous m'avez pas vu parce que j'étais malade. Pour vous donner un petit peu mon expérience, en fait on a mangé de la viande. On ne recommande pas. De la viande rouge qu'on a achetée au supermarché, en fait qu'on a fait cuire en tomates farcies. Et du coup j'en ai mangé le soir, le matin j'avais un peu mal au ventre mais ça va. Et le midi du coup moi j'ai dit aux filles que j'allais manger à l'appartement parce que je voulais manger du riz. Et du coup j'ai été manger à l'appartement et j'ai remangé les tomates farcies. Parce que j'avais pas fait le lien en fait. Et donc je finis de manger à 13h, à 14h je retourne à la plage. Et en fait à 16h je supplie les filles qu'on rentre parce que je me sentais trop mal. Et j'ai de 17h à 20h, 21h je pense, j'ai fait que vomir. Voilà. Donc c'était assez compliqué. Après du coup j'ai dormi, aujourd'hui on a été profiter de la mer, donc j'ai réussi un petit peu à profiter. Mais là, faut voir dans quel état je suis, par pied. Donc
Un petit conseil, n'achetez pas de viande à faire au supermarché parce qu'il y a des problèmes de chaîne de froid. En fait, là, il y a souvent des coupures d'électricité en Albanie. Donc, je pense que la viande a été décongelée, recongelée, décongelée. Mais par contre, sur les restos, hyper safe. Pour le coup, les restos qui sont bien notés, je pense que vous pouvez y aller en viande. Mais voilà, attention à vous parce que vraiment, ça m'a tordu les boyaux. Et là, j'en suis toujours pas remise. Donc, on fait un petit tour aux souvenirs et moi, je vais rentrer rompiche parce qu'on se lève tôt demain et que j'ai envie de bien dormir quand même. Donc, voilà. C'est pour le vlog ? Ouais, allez. Bon, et bien, de retour à Corfou après avoir pris le ferry. Donc, Corfou, faut sachez que du ferry à l'aéroport, c'est 20 euros. Vous ne faites pas arnaquer. Vous voulez voir ma carte d'embarquement ? Heureusement, voler sur billet d'avion, voler sur billet. Quand le mec sera posté, je serai déjà rentrée. On va poser nos valoches. Compliqué. Et pas Valérie. On va poser nos valises. Valoche, je suis pas. Après, là derrière, elle est en train de bailler. De retour sur ma terre natale. On est de retour à Paris. La moule, je connais ton nom de retour en vacances. De retour à Paris.